Je suis itinérante en création, chercheuse. Je travaille donc depuis longtemps, pour pas dire toujours, sur la transmission familiale. Qu'est-ce qu'on se transmet de génération en génération? C'est Oscar Wilde qui disait ce qu'on a devant soi, c'est le passé. J'irai peut-être pas jusque-là, mais justement, pour moi, une des valeurs de l'art, c'est de poser des questions et chacun y répond. Alors, Christophe Carrière, alors, ma présentation, je la ferai de la manière suivante. Je dirais qu'à la fois, j'ai 10 doigts dans la lune pour la sculpture et 2 pieds sur terre en qualité de chef de service dans un établissement qui accueille des enfants handicapés moteurs. À la fois cette présentation elle est importante puisque la rencontre humaine pour moi est extrêmement importante et la question de la trace et du lien et de la mémoire est en lien très, très proche autour de la rencontre de l'homme avec un grand H, homme et femme. Donc cette rencontre elle a été initié par Perrine qui m'a dit écoute Christophe, ton travail pourrait rencontrer le mien. Et puis en cheminant, je dis bah, tiens, la musique pourrait peut-être aussi venir accompagner et d'avoir un peu une encre commune. Je suis Jean-Pierre Stora, je suis compositeur de musique. J'ai été très intéressé pour écrire une musique pouvant accompagner les œuvres à la fois de Christophe Carrière et de Perrine Angly, d'une part parce que j'aime les travaux qui sont les leurs, et d'autre part parce que pour un compositeur, c'était très intéressant de passer d'une atmosphère à une autre, étant donné que l'univers de chacun est totalement différent de celui de l'autre. Et alors, au hasard des rencontres, Christophe connaissait Jean-Pierre Stora, grand musicien qui a travaillé avec les plus grands artistes. Et cadeau de cette exposition, c'est qu'il ait accepté de mettre en musique donc les œuvres de Christophe, c'était prévu depuis longtemps, et les miennes. Donc il y a un fond musical de Jean-Pierre Stora pour cette exposition, Traces de liens.